sniper. Et je vais faire une assez bonne partie, on va dire. Donc, comme vous le savez tous, Array est une grande map. Donc, une map de sniper. Donc, beaucoup de gens jouent au sniper. Surtout sur notre équipe. Je vais faire d'assez bonnes séries. Donc, qui vont malheureusement être interrompues. Bêtement d'ailleurs. Donc, excusez-moi si je parle un peu doucement, mais c'est parce que mes parents dorment. Concernant les titres, mes projets. Donc j'ai comme projet de faire une frag movie au sniper avec d'autres kills autres que le sniper, genre Quickscope, Tomahawk. D'ailleurs, je vais me faire là, des Tomahawk et des Quickscope. Voilà, donc là par exemple, je vais essayer de l'ajuster plusieurs fois, je vais le rater. Non, c'est pas là. Voilà, je l'ai raté. Voilà, c'est là. Plusieurs tentatives ratées. Une, la deuxième et la troisième headshot. Donc lui il m'avait un peu énervé, on va dire. Donc je fais du 5-2 pour le moment. Là je vais mettre une clé mort parce que je suis assez énervé. Et c'est les deux seules fois où je vais mourir dans la partie. Donc je vais faire une série de 7 victimes après. Tomahawk. Bon, c'est pas des kills extraordinaires que je fais, mais bon. Dites-moi en commentaire quel genre de kill vous voulez dans ma frag movie. Parce que les 360 et tout ça, j'ai un peu du mal à les faire. Donc je sais que pour certains d'entre vous c'est facile. Voilà, donc là je vais rater. On revient, headshot. Donc je vais camper assez souvent dans la partie. Donc non, là c'est pas le débat, donc qui c'est qui campe, c'est bien, c'est pas bien. Quand on est un sniper, faut savoir qu'on campe assez souvent. Parce que le rôle d'un sniper c'est de protéger ses coéquipiers de loin. Et c'est pas de rusher comme un malade. Donc beaucoup de personnes pensent que un joueur au snipe pour rusher comme un dingue, faire des no-scopes, tout ça. Donc c'est pas ça le rôle d'un sniper. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Là je fais semblant de partir. Je vais me mettre à couvert. Je l'attends. Et boum. Donc oui, un sniper c'est fait pour protéger de loin. Donc comme à tout sur le sniper, j'ai Phantom, visée solide pour le noscope. Donc certains disent que visée solide c'est nouveau aussi. Mais bon, le noscope sera mieux avec visée solide, vous pouvez pas le nier. Et avec pirate. Donc étant donné que j'ai pas gilet pare-balles, il vaut mieux savoir où sont les équipements pour pas me faire casser les serrés bêtement. Donc là tous les ennemis vont passer devant moi sans me voir. Voilà, 1. Je l'ajuste assez facilement dans le dos. Voilà, 2. Un troisième qui est je sais plus où. Voilà, donc 11-2. Donc le troisième, je sais que j'ai qu'il y en a un troisième. Alors, voilà, il est là. Voilà, et l'autre, j'arrive pas à l'avoir. Donc on domine assez largement, on va dire. Donc 185 à 74. Donc là j'en ai vu un, et mon coéquipier va me le voler, ou va me sauver la vie. Au choix. Je suis rentré dans la partie au milieu de la partie. Donc j'ai pas commencé du début. Donc là vous voyez, maintenant mon coéquipier se fait tuer. Donc je sais qu'il y en a là-bas, donc là je l'attends en espérant qu'il passe. Donc je vois qu'il ne va pas passer, donc qu'est-ce que je vais faire? C'est moi qui vais aller le chercher. Mais malheureusement, le temps que je vais le chercher, eh bien, la partie sera terminée. Voilà, donc il était par là, vous voyez son colis. Donc la partie se termine, 205 à 82. Donc, une assez, comment dire,
une victoire assez facile, avec un assez grand écart de score. Donc je fais un 12-2 au sniper, sachant que je suis pas un très bon joueur du sniper. Mais voilà, donc les joueurs moyens comme au sniper peuvent faire des assez bonnes parties, comme vous pouvez le voir. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce vert et abonnez-vous à ma chaîne. Salut tout le monde!